réoccuper le Sinaï. Les mots sont dits, ils sont signés du général Omar Suleiman. L'ancien chef des renseignements égyptiens et candidat aux futures élections présidentielles a évoqué pour la première fois dans la presse les relations israélo-égyptiennes. La perte de contrôle du Sinaï est son principal motif d'inquiétude. Il pourrait selon lui conduire à une réoccupation de la péninsule par l'armée israélienne. Rendu indésirable par les islamistes, notamment du fait de son appartenance à l'ancien régime d'Hosni Moubarak, Omar Suleiman veut pousser les frères musulmans à plus de modération à l'égard d'Israël. Leur rôle, dit-il, est de préserver la paix dans la région.